chérie, oui. On a trouvé une nouvelle bonne. Une nouvelle bonne? Oui. C'est belle? Oui, c'est... Elle s'appelle comment? Bingy. Bingy. Et vous avez d'accord concernant le prix? Bon. Oui? Oui, je crois. Elle a dit 10 000. 10 000? Oui. Ma chérie, c'est bon. Vu tout le travail qu'il va prendre. Je préfère ajouter à 15, c'est bon. 15 000. Oui, 15. C'est bon. Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu es embauchée. Je suis embauchée. Merci, madame. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Je vais commencer le travail maintenant. Oui, non, attends. On va te présenter à... On a deux gardiens ici. Ah, on va te présenter à eux. Ok. Mamie, tu ne peux pas m'appeler Gaël et Timadi. Ok. Ah, t'as raison. C'est deux, franchement, il va falloir qu'on est présent. Trop bien, madame. Il y a deux poules. Surtout Petit Madi. Petit cousin. Ne mets pas par-dessus la tête. Hein. Mamie, moi je sais travailler des... Ah, là, on est ensemble. Je crois qu'on va bien s'entendre. Inch'Allah. Les gens n'aiment pas prendre le quartier dans le sud, parce que c'est tellement la rue là, les gens là. Bonjour, pardon. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est les chiens des voisins là qui m'a poussé tout de suite là. Moi je ne peux pas comprendre ça. Et puis c'est qui ça en moi? Toi tu ne vas pas regarder, tu ne peux pas prendre l'exemple. Ça va pas là. Moi j'ai dit, ok, tu m'apportes un peu moi. Voilà. Bon, Petit Maro et Gaël, oui. Je vous ai appelé concernant la nouvelle qui est là. Elle, c'est Bingy. Et il. Je te parle. Ok? Bici. Elle, c'est Bingy, elle va commencer à travailler ici. Et j'attends de vous beaucoup de respect envers sa personne. Vous comprenez? Oui. Et c'est tout toi, Petit Maro. Je te vois, je t'observe. Tu fais attention, ok? Si il y a là, c'est du moins si mes pieds cassent tes yeux là. Ça ne va pas chez toi. Tout ce que c'est là, n'est pas bien. Tu es malade, non? Tu te prends pour qui? Tu crois que je t'ai appelé pour ça? Tu te tais, ok? Tu ne mens plus ici. Je ne t'ai pas. Et pas, on n'a pas de vendre. Et puis quoi? Va t'en acheter, il y en a à vendre. C'est ton problème, ça? Je fais de mon argent ce que je veux. Rien ne suit là. Tati, je peux commencer? Oui. On t'a demandé? Avec ta tête, on dirait celle de ma grand-mère. Tati, moi, je sais travailler. Si tout cas, je prépare. Et ça, c'est de la non-rousse, là. Ça, c'est tout de. C'est très bon. Je suis dans la piste, là, il y a des baguettes. Ça, c'est de la non-rousse. Petit Marie, on t'a demandé? Quand est-ce que t'es parti en Chine? Quand? Chérie, nous on arrive. On y va bien. C'est qui? Ça t'a dit, hein? T'as dit, ouais, j'ai travaillé. Je t'ai dit, tu dois tourner autour de ça. Tu me suis? Ok? Tu me réponds là? Oui, d'accord. En Chine, en Chine. T'es parti en Chine quand? Menteur, t'as même pas honte. Laisse-toi, va là-bas, va au travail. Gaël, oui, allez-y, hein. Ok, quoi. Et merci surtout. Merci surtout. Vers sur Petit Malou. Ok, ok. Voilà, merci. Allô, mon amour, ça va bien? Moi je t'aime, hein. Moi, j'ai des grands projets pour toi. Hey. Moi, on va parler tantier. Faut laisser tantier. Moi, j'aime pas ça de. Tu sais, moi, j'ai payé avion pour toi. Moi, je m'en fous. Tu n'aimes pas avion? Moi, j'aime pas ça. Oh. Je vais pas finir pour toi. Hein. Tu me laisses aller. Non, mais tu sais, quand, si moi, tu m'as accepté là, je vais te payer des choses n'importe comment. Tu vas aller partout dans le monde. Moi, j'ai déjà. Tu es déjà parti au Japon? Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux une boîte de l'eau? Bois, tu sors. C'est vrai. Ah, c'est vrai.
Si patron voit ça, si patron voit ça, ton boulot. Oui. Moi, je vais lever. Allez, comment? Tu vas lever comment? C'est louche. Tu vois pas? Yeah. Assieds-toi. C'est une bouche. Je ne sais comment maintenant. Bon, tu sais. Et si tu veux pas que je n'arrête dire à patron. Voilà, tu sais. Voilà. Pourquoi le duo? Bon, t'as tu vois, hein. Toi là, tu es joli. Bon, tu sais ce qu'on va faire. Et voilà, si tu veux pas que je n'arrête dire à patron, que tu as fait une dedans. Voilà. Donc maintenant, après là, voilà, tu vas venir me voir derrière là-bas. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire des choses que patron veut, que patron ne veut pas. Oh. Ok, voilà. On va venir m'écouter. Là, tu as compris. Ça, c'est bon. N'est-ce pas? L'autre là, là, hein? Il parle. Mais pas bon. Voilà, tu vois. Oh, c'est fini. Ça, c'est bon que petit m'a dit. N'est-ce pas? Moi, va venir. Toi, merci. Quoi. Non, t'inquiète. Moi, va plus faire ça. Non, voilà, faut plus faire. Voilà. Papa va me guider. Voilà, je vais te guider. On va se guider. Merci. Non, de rien, Bingy. Merci, Gaël. Mon frère Gaël, j'espère que nous parlons est fini maintenant. Hein. Bon, c'est pas encore fini, parce que toi là, même si on fait la paix, le lendemain là, ça réchauffe. Non, ça ne va pas dire, c'est fini. C'est que toi, on est comme ton médiéni.
c'est pas là aujourd'hui, demain on s'entend, c'est pas là aujourd'hui. Mais c'est comme ça tous les jours. C'est ça qui est bon. Non, parce que quand il y a trop la paix, c'est pas bon. Quand il y a trop aussi, pas là aussi, c'est pas bon. Moi j'ai dit travail. Non, pardon, j'ai dit quelque chose. C'est ça que j'ai posé avec. Vini. Vini. De toi. Ma chérie. Elle est trop folle, toi. C'est toi. Non, moi je sais, c'est comprimé. Tu sais ce qu'elle m'a dit de toi? Elle dit non, toi, tu as un truc en toi que les autres hommes n'ont pas. Elle dit, mais c'est ça quand l'amour est là, on voit comme ça toujours pour ça, c'est vrai. Mais elle t'aime rien. Exactement. Tout, qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est qu'elle m'a dit, c'est qu'elle me touche chez toi, c'est quoi? Elle dit, quand tu parles, tu touches. Et puis tu tapes la poitrine, même comme tu dis, tu es prêt à mourir là. Oh, frère! Oh! Tu fais ça, tu vas la tuer. Oh! Tu te parles? C'est ça, elle dit. Tu te parles quelque chose? Elle dit, tout ce que tu as là. Elle est malade. T'es sûr, à partir de maintenant, là, tu vas la voir, pour tousser. J'ai déjà le conseil comme ça. Tiens, mon frère. En fait, voilà, mais j'ai pas ça sur la vie. Laisse-moi. Petit manque, non. Mais t'es un bon. Oui, oui, oui. T'as eu le trou. D'abord, vous allez voir. Voyez, la petite, allez voir si elle était là-bas. C'est mon mot. C'est le bon, c'est le faux. Tu vois, non, je sais. Tu sais bien que tu t'en supplies. Non, tu vois, je n'ai pas de soucis. Tu m'as mis des pannes, des faits, des soucis. Tu vois, l'écouter. Et mais attends, on n'a pas fait de parler. Je la comprends pas, c'est bien. Je l'ai changé. J'espère que Petit Bob n'a pas mélangé des choses. Parce que je sais bien. Mais tout compte fait, on le saura. Là, ça commence pas compris. Non, je vais seulement mettre le sucre dedans. Le sucre. Il ouais. Ouais, faut bien faire ça. On va faire un bon thé, on va bien boire là. Mais dis-moi, toi et la bonne, c'est comment? Bing. Moi, je t'avais dit ça depuis. Ah. Et tu as déjà confirmé. Ne me dis pas ça. Hier nuit même. Hier nuit. Tu sais, elle est tatouée ici là. Elle est tatouée ici là. Ne me dis pas ça, Gaël. Non, y a toi, patron. Bonjour, patron. Ah, non, oui. J'arrive. Ok. Je viens chez la voisine. Ok, ok. Au cas où le patron me demande, je suis là. Ok, pas de problème. Ok. Tu es toujours en train de parler. Ok, bon retour, patron. Ouais. Patron a les bonnes choses comme ça, mais t'as mis avec ça. Tu respectes plus ton patron. Si moi, j'étais à la place du patron là. Oh, c'est le matin, midi, soir, moi, je suis ici. Patron, c'est un bâtard. Un imbécile. Là, j'ai fait mon misère là. Puis tu laisses tout ça. C'est là, tu me dis à moi, je dors plus même la nuit même. Chaque fou. Et si en voyage. C'est là, je te dis, passe à la tête. Petit Marou. C'est à moi que tu parlais? Non. Pardon. Viens ici. Répète ce que tu disais. C'est la voisine qui est là-bas. Elle n'est pas bien. L'autre jour, elle allait voler pour les. Je te parle pas de la voisine, je te dis de répéter ce que tu disais là tout de suite. C'est ça, j'ai dit à Gaël là. Il a répété dans ma bois depuis les tuntun. Moi, je sais pas pourquoi elle est comme ça. Moi, j'ai dit que tu aimes thé. Ça, j'ai dit. Marou, t'as pas honte? T'as pas honte de toi? C'est ma femme que tu regardes maintenant? C'est que je vais te foutre dehors. Il n'a pas fait exprès. Tu ne fais pas exprès. Toi, tu ne fais jamais exprès. Tu sais le problème avec toi, tu sais c'est quoi? C'est que tout ce que tu fais là, tu ne fais jamais exprès. Toi, tu ne fais jamais rien, n'est-ce pas? Imbécile, c'est la dernière fois que je te dis ça. La dernière fois, si jamais je te surprends encore en train de parler de ma femme comme ça, je te fous dehors. Et tu peux être sûr que je te mettrai en prison. Imbécile. Tu n'en vaux même pas là. Hey, Gaël. Oui, patron. Où est-ce qu'elle est partie, madame? Bon, elle dit elle va voir la voisine. La voisine qui a coûté ici. Ok, ouais. S'il te plaît, tu vas me la chercher. Hein. Ok, c'est lui que j'ai besoin d'elle. Ok, là, voilà, faut pas aller vite, on peut pas aller vite. Je t'ai demandé. Imbécile. Avec ta tête. Un bâtard comme ça, numéro 2, toi tu penses que quoi? C'est pas ce bâtiment, il n'y a rien à faire que ce gardien ici. Numéro 2.
Tu devrais bien ne me dis pas. I love my life. I love you. Vas-y, ma vie. Mais oui, ça va bien te porter. Dis que tu m'aimes là. Petit ma vie. Petit ma vie, c'est bon, j'ai compris. Laisse-moi faire mon travail, ok? Laisse-moi. Voilà, pour réfléchir. Je vais réfléchir. Tu sais que tu dans la vie là. Il faut aller ça, petit ma vie. Il faut aller. Mais faut réfléchir, j'ai compris. C'est pas toi. C'est Gaël. Mais lui, il va m'entendre. Ah! Moi, j'ai un tatouage ici. Tu sais que Gaël a parlé? Comment petit Madou a su ça? Gaël. Non, attends ça. Mais comment ça? Comment ça? Oh. Gaël, pardon, presse-toi. Ah, Gaël, c'est quoi ça? Oh. Faut pas me contaminer. Contaminer? Oh, non, je n'aime pas ça. Non, faut pas être égoïste. Parce que j'ai appris que tu as la tuberculose. Tu me dis quoi? Tu as la tuberculose? Moi? Non, jamais. Tu as la tuberculose? Non, 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 c'est pas la tuberculose. Qui t'a dit ça? C'est Petit Malou qui m'a dit que tu as la tuberculose. Petit Malou. Mais c'est faux. Eh, mais c'est faux. Et pourquoi tu tousses? Hein? Dis-moi pourquoi tu touches. Ah, Petit Mambo. Mais c'est Petit Mambo qui m'a dit que toi tu aimes ça quand j'ai fait. Que moi j'aime ça. Ah, mais c'est ce qu'il m'a dit. Que quand je parle, quand je tousse, que tu aimes ça, que tu as envie de mourir. C'est ce qu'il m'a dit. Ces garçons-là, je comprends bien quoi. Mais c'est lui aussi qui m'a dit que c'est toi qui lui as dit que j'ai un tatouage ici. Non, je comprends maintenant. C'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu rentres nous pour te prendre. Mais comment il a su que moi j'ai tatouage ici? Non, mais il a dit, quand tu te laves, il part par la fenêtre. C'est comme ça qu'on fait. C'est parce qu'il te regarde pas. Ah, tu vois, c'est ça. Si on regarde le bout de moi, entre nous deux qui a l'air d'un bandit, c'est lui. Gaël. Mon père. Nessa. Ouais, toi aussi, viens. Ah, c'est maintenant que j'ai compris. Oh, tu vois. Oh, c'est ça, mais non. Oh, c'est le pas. Je t'ai pardonné. Laisse-moi. Ah, laisse-moi. Ah. Petit mal. Ah. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches quoi? Oui, je cherche mon téléphone. Ton téléphone? Oui. C'était où? Mon téléphone était ici tout de suite. C'était en charge ici? Oui.
Ça a disparu quoi? Je comprends pas. J'ai vu Bala rôder ici tout à l'heure. Quoi, hein. Bala? Alors, Bala, il est capable de tout. Hein. Attends, je vais l'appeler pour toi. Allô? Bala, tu fais quoi? J'ai besoin de toi tout à l'heure, je t'attends. Attends, bébé, calme-toi, il arrive, calme-toi. Si, on va mettre. Bonjour, voilà. Bonjour, voilà. Ma femme a perdu son téléphone. Je sais que c'est toi qui as pris le téléphone. Hein? Où tu as mis le téléphone là? Vas-y, c'est toi le seul voleur de cette maison. Moi, je n'ai rien pris. Tu n'as rien pris? Dis-moi la vérité. Sinon, aujourd'hui, c'est sérieux. Je vais t'envoyer la police. Je n'ai rien pris, patron. Je n'ai pas pris le téléphone. Tu n'as rien pris? Non, je n'ai rien pris. C'est sûr. Voilà. Hein? Il s'agit de mon téléphone. Ton téléphone, moi, je le viens en charge ici. Aujourd'hui, quand même, tais-toi. Aujourd'hui, quand même, il n'y a pas de truc. Je l'envoie chez les policiers, on va l'embarquer. Non, pardon. Hey, suis-moi, comme tu vois, dis-moi la vérité. Pardon, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Moi, j'ai pris un téléphone ici. Hein? J'ai pris un téléphone où ici. Où le téléphone tu as mis? Il était en charge ici, j'ai pris ça. Mais c'est Petit Malou qui a pris le téléphone avec moi. Où tu as mis? Petit Malou, il est où? J'ai donné ça à Petit Malou. Ok, allons-y. J'ai donné mon téléphone. Bébé, laisse-le. Laisse-le, on va gérer ça. Allô? Oui, c'est qui? Non, moi je suis le nouveau propriétaire de ce téléphone là. Donc, je peux me le charger s'il vous plaît? Non, moi je ne peux pas vous te donner ça. Comme ça, c'est fini ça. Moi j'ai payé ça aujourd'hui là même. Voilà. Nia a dit Alain Fara. Et parce que quoi? Petit Bado. Bien quoi? Mais pourquoi tu allais gâter entre moi et la bonne? Gâter comment ça? Mais c'est pas toi qui allais la raconter n'importe quoi que. Moi j'ai la tuberculose, j'ai ça. Ça veut dire quoi? Ça fait quoi? Non, mais petit Modou, mais pourquoi tu es si mauvais comme ça? Mais toi tu sais que moi j'aime la bonne. Toi tu sais que moi j'aime la bonne, toi aussi tu aimes la bonne. Si moi je n'ai pas dit ça, elle va te comprendre toi aussi. Tu sais, moi je te respecte. Tu es mon frère. Moi je ne suis pas ton frère. En marché des femmes, je ne suis pas ton frère. Tout le bon du quartier, tu as tout pris. C'est seul que j'ai pris. Et la bonne du voisin là, qui a pris? Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi. Eh, j'ai deux bonnes là-bas. C'est toi. Pitié de moi. C'est pas toi seul qui a ça, moi aussi j'ai ça. Moi, petit Manu. C'est la main, il la laisse pas. Hein. Non. Ça là. Non, petit Manu, ça là, je dis. Non, ça je veux plus. Non, tu crois que c'est toi qui aime les bonnes choses quoi. Toi, tu aimes les bonnes choses, nous on est qu'à te regarder seulement. De la prise, c'est celle qui est là-bas. Ah. Qui l'a pris? Et c'est que t'es de l'autre côté qui a pris, c'est pas toi? Oh, petit bonjour. Malou. Bonjour. Petit non, petit Malou. Ouais. Oh, vraiment. Ça va? Je suis venu récupérer mon habit. Ouais, ça va. Ton habit? Oui. C'est quoi l'habit, même? C'est une robe. Une robe là? Oui. J'ai oublié même. Ton habit là, c'est perdu. Hein? C'est perdu, ils ont volé. Donne-moi l'argent d'abord. Quel argent? Eh! Il est parti. Il est parti. Qui a fait dessus là? Quoi? J'ai repassé, non? Ah! Tu as repassé? Oui. Donc, donne mon habit. J'essaie, il s'est perdu là. Et lève-toi, tu sors l'habit de la dame, ça. Il y a quoi? Ils ont volé ça. Qui a volé? Petit Malou. Qui a volé? Toi, tes mandigas et tes façons là, moi, je ne suis pas dedans. Ma chérie, vous l'avez dit ça. Tout le monde te connaît ici. Moi, on ne me le fait pas. Est-ce que tu m'as compris? Hein? Moi là, j'ai fait 20 ans en prison. C'est pas ça qui a mes frères. Je m'en fous. J'ai vu plus que ça. Même si tu as fait 100 ans en prison, moi voilà. Je m'en fous de ça. Hey, donne mon argent. Hey, laisse celle-là. Pour laisser celle-là. Non, voilà. Laisser celle-là. Hey. Non. Laisse ça. Petit Malou. S'il vous plaît. Petit Malou. Tu me donnes ton t-shirt. Tu me donnes mon argent. Donne mon argent. Ah, mais il est perdu, non? Mais si la vie est perdue, tu vas payer. Paye pour quoi? Allez, c'est fini. Madame, s'il vous plaît. Si le patron. Tu n'es pas la seule personne. Moi, je m'en fous. Ah.
si les patrons sont là, petit Marou va payer où les patrons sont là? Elle n'est pas la seule personne qui s'est bien perdue ici. Elle me donne mon argent quoi. Fais le ton. Si les patrons sortent, ça va chauffer. Ça fait quoi? Ça va chauffer. Oh, moi je m'en fous de ça. Alors tu veux me passer d'abord? Moi je m'en fous de ça. Non, mais il dit qu'il s'en fout. Donc il va donner mon habit et mon argent. Et puis tu sors mon argent. Y'a quoi? Moi je m'en fous de ça. Si les patrons sortent. Oh. Petit Madou, tu vas donner. Non, donne mon argent. Laisse, attends, madame. Quand elle va finir de déchirer ça, il y a le pays en gros, il y a l'argent. Oui, c'est bien. L'argent, un voleur comme toi. Ah. Hein? Tout le monde te connaît. Ça fait quoi? Moi, j'ai vu de ça. Hein? Tu n'as pas honte? Honte? Toi, tu n'as pas honte? Depuis moi, je n'ai pas honte. Ouais, même en te voilà, on sait que tu n'as pas honte. C'est ça ma dignité. C'est ça la dignité d'un homme. Donne mon argent. Donne mon argent. Quel argent ça? Quel argent là ici? Mais. Je viens de lui donner 2000 francs, non? À qui? À la... Non, mon frère. Elle vient de donner... Non, 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 tu n'es pas un voleur. Un voleur est un menteur. Un menteur est un voleur. Voilà, tu m'as donné l'argent tout de suite là. Donne mon argent. Tu m'as donné l'argent tout de suite là. J'étais dit pour me donner mon argent. Oh, je te jure. Petit Marou. Tu m'as trop. Attendez. Petit Marou. On a qu'à se respecter là. Petit Marou. Y'a quoi? Je suis un peu occupé. Quoi? Petit Marou. Où est ma robe? C'est pas ça. C'est pas ma robe pour aller donner sa boutique. C'est ma robe ou pas? Voilà. Hey. Petit Marou. Hey. Petit Marou. S'il vous plaît. Il me dit qu'il a perdu ma robe. Et il prend mon argent encore. Vous voyez? Donc je veux qu'il me donne ma robe et mon argent. Moi, j'ai pas de problème. C'est pas fini. Parce que Petit Marou là, c'est un cas ici. Tout le monde le connaît. Voilà. La robe qui cherche là, voilà ça. Quoi? Ben regarde. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, madame, ça c'est ma robe. Voilà ma téléphone d'abord, donne-moi mon téléphone. Toi aussi, la robe là aussi là, c'est vous la femme là. C'est pas ta robe là, là. Donc tu as dit que tu prends un peu de robe aussi. J'ai acheté ça. Ici du business. Voilà, donc. J'ai acheté ça de robe, hein. C'est lui qui a volé. C'est toi qui a volé le téléphone. Récupère le téléphone de receveur. Récupère le téléphone. Non, non, t'as dit que tu as volé. Même si moi, j'ai occupé de laisser là. Attends, la paix a pu voler aussi. Hein? Est-ce que tu réponds de la vente de sa robe à celle-là et leur téléphone qui se retrouve dans la main? Cette robe, c'est pour moi. C'est pour la femme là, elle est venue dépasser. Donc elle a venu, elle est venue dépasser. Elle est venue dépasser sa robe. Elle n'a pas le temps, c'est le cap. Elle est vendue chez moi. Je n'aime pas ça, elle. Donc, c'est toi qui as vendu la robe de la dame à celle-là. Je sais, non, voilà. Chez moi. Elle t'a pas vendu. Je sais, non, la fait. Un homme d'affaires. Moi, j'ai pas de problème. Un homme d'affaires. Non seulement. Attends. Non seulement tu es un menteur. Tu as engrossé la servante de ma voisine. Hein? Oui, il a volé le mouton de la tabasque. Ah! Eh bien, frère, trop fort. De la tabasque. Tu as fait tout ça. Petit Madou. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais amener Petit Madou à la police. Très bien. Non, c'est pas de ça. C'est une très bonne idée. Voilà. À la police. Chérie. Elle aussi, je la police. Je m'en fous. Petit Madou. Tu as volé son téléphone. Petit Madou. Petit Madou. Voici le voleur. C'est son frère qui est le voleur. Je suis le voleur. Son cadeau de mariage. Voilà, on a déjà volé ça. Tu sais, chérie. Écoutez-moi. C'est une très bonne idée. Donc, tu vas me donner l'argent et je vais te donner la poule en route. Il n'y a pas de problème. Alors, commissaire, on va les aider ça là-bas. C'est pas fini. Hein. C'est lui qui a volé la viande de la sauce de l'eau bouche que j'ai cuisionné.
Mohamed Edith.